Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2024 et je voulais vous parler de la libération de Julian Assange qui a passé 5 années en prison en Angleterre. Voilà. Journée historique pour cette libération d'un homme. Un lanceur d'alerte. Il avait divulgué des irrégularités, des choses très, très compliquées concernant beaucoup, beaucoup de très haut placés, beaucoup de gouvernements. Voilà. Donc, il a été donc incarcéré pendant 5 ans en Angleterre. Et beaucoup de personnes du monde entier se sont mobilisées pour sa libération. Donc, il a été libéré, là, il y a quelques heures, contre caution. Voilà, contre caution. Donc, il a décollé du Royaume-Uni pour aller, avant de rentrer chez lui en Australie, il doit passer par les USA. Voilà. Donc, sa femme, Stella, il a vu ses enfants très peu de temps. Il les a vus au travers des barreaux de sa prison. Il était dans une prison de 2 mètres sur 3. C'est incroyable. C'est incroyable. On se demande, il a une force, un mental, cet homme, phénoménal. Il a une force incroyable. Moi, je tire mon chapeau bas à cet homme. Voilà, sa femme, qui a un compte X, anciennement Twitter, elle se dit inquiète pour son mari. Elle a peur qu'il lui arrive quelque chose en cours au cours de ce retour vers l'Australie, vers chez lui, parce qu'il doit passer par... il était à Bangkok, il a fait une escale à Bangkok, il a dû changer d'avion, voilà. Et puis après, il s'en va aux USA, et des USA, il rentre en Australie. Mais sa femme, tant qu'il n'est pas arrivé en Australie, elle ne dit pas que c'est terminé. Hein. Elle n'ose pas se prononcer. Elle a très, très peur. Stella, qui est son épouse et leurs deux enfants, voilà, donc qui attendent leur papa avec impatience. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour ce monsieur qui a eu tant de courage et tant de force de caractère, il fallait que j'en parle. Donc, la vidéo sera courte, bien sûr, je vous en parle quelques minutes. Vous vous rendez compte, 5 ans de prison pour avoir été lanceur d'alerte, pour avoir dit des choses. Alors, où est la liberté d'expression? On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Voilà, donc son épouse est sans arrêt sur X, anciennement Twitter, pour dire que toutes les personnes suivent heure après heure son arrivée aux USA, puis après son arrivée en Australie. Que tant qu'il n'est pas rentré chez lui, elle se dit que tout peut... Voilà, bon, vous avez compris. Tout peut dégénérer. Tout peut... Voilà, elle a très peur. Elle a très peur qu'il arrive quelque chose à son époux, quoi. Qu'on lui ait laissé la liberté. Et puis, tant qu'il n'est pas arrivé en Australie, c'est ce qu'elle a peur. Donc, il va faire une escale à... Il est attendu aux États-Unis. Donc, on va voir... On va voir juste avec le tarot de Béline, l'oracle de Béline.
Est-ce que l'avion où se trouve Julian Assange, bon, il est en route pour les États-Unis, va-t-il arriver aux États-Unis, là, dans les heures qui arrivent, va-t-il atterrir aux États-Unis? La carte qui est tombée, c'est la carte du bonheur. Donc, ben, elle est belle, je la garde. Je la mets de côté. Va-t-il atterrir aux États-Unis? Où a-t-il atterri déjà? Je ne sais pas trop avec le décalage horaire. C'est vrai que, bon, la petite bougie, elle lui est dédiée. Hein, voilà, petite bougie pour Julian Assange. Qu'il arrive sain et sauf chez lui en Australie auprès de sa famille. Alors déjà, la question était, est-ce qu'il va arriver, atterrir aux USA? Vous voyez, c'est pas joli, joli ça. Hein? C'est-à-dire que lui, c'est lui-même qui a peur. C'est lui-même qui a peur qu'on le change de prison. C'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis à moi. C'est la carte du bonheur, je la laisse. Bon. Ceux qui l'ont retenu en captivité, non, 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 ils sont, voilà, ils sont bien. Ah, mon Dieu. Il y a quelques petits problèmes. Il y aura peut-être un petit retard. Là 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 là. Bon. Il y aura peut-être un petit incident au niveau de l'avion. Peut-être un petit incident. Mais il arrive. Il arrive aux États-Unis. Puis, il y a la carte du bonheur qui est tombée. Hein? Donc, après, on va voir s'il va rentrer sain et sauf chez lui en Australie. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur Monsieur Julian Assange. Est-ce qu'il va arriver sain et sauf chez lui en Australie auprès de sa famille, sa femme et ses deux enfants? Alors, Stella Assange demande à toutes et à tous de suivre l'avion où se trouve son mari, de suivre les informations à son sujet. Voilà. Alors, va-t-il arriver sain et sauf chez lui en Australie auprès de sa famille? Et là, qui sont contre. Hein. Il y en a qui sont contre. Hein. Lui, il n'arrive pas à imaginer qu'il est libre. Et il se dit que peut-être on le change de prison. Il y a une foule de questions dans sa tête. Il n'y croit pas à cette liberté. À l'heure actuelle, hein, il n'y croit pas trop. Alors, est-ce qu'il va arriver? Oui, avec la carte des présents, il arrive sain et sauf en Australie, chez lui. Donc, Madame Assange, Madame Stella Assange, hein, ne vous faites pas de soucis. Votre mari, il va revenir sitôt qu'il peut chez vous, en Australie. Donc, il n'y a pas de souci, il ne se passera rien de fatal. Votre mari rentrera sain et sauf.
en Australie. Voilà, mes chers amis, c'était une courte vidéo parce que je voulais m'assurer que, voilà, cette personne-là rentrera chez elle et en bonne santé, sain et sauf. Parce que tout tourbillonne dans sa tête, il ne le croit pas. Il n'y croit pas qu'il est en liberté. Il pense qu'on va le changer de prison. Et oui, du moment que les Américains l'attendent, ils se disent que peut-être il va aller en prison en Amérique. Mais non, monsieur Assange, vous êtes libre. Libre. Bon. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.